Street for Kids 5 est la cinquième édition de la vente aux enchères caritatives d'art urbain, organisée par une partie des étudiants du MBA spécialisé marché international de l'art à l'ICAR et qui organise cette cinquième édition en faveur du Musée en Herbe, qui est une association de loi 1901 et d'utilité publique et qui nous permet, grâce à ce fonds, de contribuer au développement des actions de médiation et de sensibilisation à l'art en direction des enfants. Nous sommes un groupe de 16 étudiants à nous être répartis le travail dans plusieurs commissions. Le pôle levée d'œuvre, le plus important, un pôle communication et la recherche de partenaires et de mécènes également. Nous sommes répartis les tâches de manière assez spontanée, puisque c'est tout naturellement que chacun s'est tourné vers ce qui représentait ses objectifs professionnels futurs et à venir. Cette édition est forte et étonnante à plus d'un titre. D'une part, elle nous a permis de réceptionner plus de 115 lots. Donc c'est un record par rapport aux éditions précédentes et surtout dans un contexte sanitaire que nous connaissons tous depuis plus d'un an. C'était la première fois que je participais à l'organisation d'une vente aux enchères. Donc c'était super intéressant de pouvoir découvrir tous les aspects techniques aussi liés à une vente aux enchères. Ça a donné aussi la possibilité d'avoir plusieurs casquettes sur le projet, que ce soit du pilotage, de la coordination, un montage d'expo et de la communication, ce qui est quand même un bon concentré pour un projet étudiant.